Okay, Tanguy, lovely to speak to you today. It's just one loss in the Premier League now this season. How do you assess Tottenham's start to the season? Alors, tiens, c'est un bilan mitigé. On a perdu des points contre Newcastle et West Ham. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon début, car on est bien classé et on n'a pas perdu de match en championnat pour l'instant. And you mentioned that draw against West Ham. Do you, as a team right now, feel really positive about what you can achieve this season? Ouais, pour le moment, on est sur un bon chemin. Donc oui, l'état du groupe, il est bien. On est positif. Mais après, voilà, pour l'instant, ça va bien. Quand il y aura un coup de moins bien, là, on pourra juger si l'équipe est bien. And there was a time when Tottenham, you had a lot of games in a short amount of time. Just before the international break, for example, you played Chelsea, you played Maccabi Haifa and then Manchester United. How proud are you as a team to have gone through that period with some really good results and some really good performances as well? On est content, c'est bien pour l'équipe. Après, ça reste que le début de championnat. On va dire le match Maccabi Haifa, il était important parce qu'il fallait se qualifier pour l'Europa League, hein, pour l'Europa League. Après voilà, c'est bien pour la confiance. On a réussi à gagner contre Manchester et Chelsea. C'est de bon augure pour la suite. You're back playing regularly in this side. How happy are you to be playing regularly? And what changed to get you back in this side? Did you do anything differently? Quelque chose de différent. Ouais, je pense que je travaille plus à l'entraînement. Et en match, mais surtout je me suis mieux adapté cette saison. L'année dernière, c'est vrai que c'était très très dur. Après, c'est le changement de championnat, c'est assez compliqué. Mais voilà, j'essaie de m'adapter au mieux. Et pour l'instant, ça va. On va sur la bonne route, je veux dire. Donc, on espère continuer comme ça. And you mentioned that you feel a bit more settled now at the club. How much did Moussa Sissoko help you settle into the club and also life in London as well? Non, dans ma vie ici, je me suis adapté tout seul. Mais ouais, c'est vrai que Moussa, Serge, Hugo, comme ils parlent français, ils sont plus vieux que moi et ils m'aident beaucoup. Même l'année dernière, quand ça allait pas, ils étaient là pour moi, pour me causer, pour me dire quand c'était bien, quand c'était pas bien. Donc voilà, c'est des gens qui m'ont aidé à être où je suis aujourd'hui. And what's your relationship like with the manager, Jose Mourinho? Ma relation, elle est bien avec le coach, ça se passe mieux. On parle, des fois on peut rigoler. Bon, voilà, on a laissé derrière tout ce qui s'est passé et on essaie d'avancer pour le mieux pour le club et l'équipe. It's quite early on in the season, but what do you as a team want to achieve this season? On reste Tottenham, donc notre ambition c'est d'être dans le top 4, de pouvoir se qualifier en Champions League.